Bonsoir. Bon ce soir. La Star Academy, saison 2, prime numéro 3. Quelle folie. Ce soir, le troisième prime qui est nommé. J'ai décidé de ne pas regarder, contrairement à la saison 1, les nominés maintenant en avance. J'ai envie de les découvrir avec vous, c'est plus marrant. Bon, c'est parti. Ils veulent la célébrité, ils rêvent de succès, ils attendent la gloire. Ils sont 16 à vouloir devenir stars. Putain, ça démarre déjà. Oh là là, c'est quoi cette choré? De quoi? Dans ce monde insolite. Le bruit. Faisons taire les mélancolies. Il a toujours pas envie d'être là, Philippe. Et que chacun se mette à chanter. Elle chante toujours comme Claude François, Anne-Laure. Et que chacun se laisse emporter. On va chez elle, le Mozart. C'est quoi cette choré? Oh là, oh là, oh là. Il arrive vraiment. M. Pokora. Oh les vibes. Ça me fatigue déjà. Je vous le dis. Oh cette fin à chaque fois. Ah là là, Nikos. C'est quoi cette arrivée? Il a failli me faire cracher. Vous le savez, Florence, Rudy et Eva sont les nominés de cette deuxième semaine. Si vous n'êtes pas la première ce soir... Bah c'est pas grave, hein. Je suis encore là, là. Vous avez bien travaillé? Je pense. Vous avez donné le meilleur de vous-même? Oui. C'est déjà long. C'est déjà long. J'ai donné le meilleur de moi-même, ça c'est sûr. C'est... En fait, ils se sont professionnalisés sur cette saison. C'est trop, quoi. C'est too much. Le plateau est trop grand... Je trouve qu'il y a trop d'élèves, c'est trop, toujours trop, tout le temps. C'est trop structuré. Il y avait un côté un peu fabriqué, ça, sur la saison 1, dont on se moquait parfois, mais qui avait du charme. Là, en fait, ils sont en train de perdre ce charme pour un truc genre grosse machinerie. Et oh, ça me... À la cinquième place du classement des meilleurs élèves de la semaine, c'est Alexandre qui fait son entrée. Ça gagne, ça. Il danse comme un enfant. Il danse comme un enfant. Et il est quand même top 5. Ok. Cette chemise. Mais attention, il va falloir penser à redoubler d'efforts. Ou... Pour la deuxième semaine. Ah ouais, elle était vraiment genre... Je suis très impatient de voir à partir de quel moment elle se casse la figure. Mesdames, messieurs, voici Maxime Le Forestier. Oh. Je vous laisse vous installer avec votre guitare. C'est Aurélie qui va chanter avec vous, mais elle ne sera pas seule. Qui va vous accompagner? Emma et Anne-Laure. Et c'est la première fois, je le précise. Petite ambiance cosy avec les canapés et tout. Un élève de la Star Academy qui joue aussi de la guitare. Où est Drucker? C'est vrai qu'avec les canapés rouges et tout là. Alors, je suis pas un grand musicien, hein, mais je suis quasi sûr qu'on joue pas comme ça de la guitare, hein, monsieur. Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger. Il y a 14 guitares sur le plateau à peu près. Il y a les oiseaux de basse-cour et les oiseaux de passage. Ah, Maxime Le Forestier, c'est un autre niveau déjà. Ils sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. De toute façon, il y en a en cul de brancher. Non, si, ça a l'air d'être bon, là. Mais regarde, Anne-Laure, elle joue pas. On est d'accord. Anne-Laure, elle ne joue absolument pas. Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Ah oui, par contre, le niveau, c'est autre chose. Là, on comprend pourquoi il y a un grand plateau, quoi. On peut mettre 3 canapes tranquilles, à peu près 24 guitares. Allez, à fond, Alexia. Toujours trop à fond. Oh, le t-shirt de Kamel, la vache. Non, mais les gens... C'est Maxime Le Forestier. Hein. On commence très fort. C'était un peu des chœurs d'Afrique, tu sais, quand t'as plein de filles ensemble, t'entends que les voix aiguës. Donc c'est ça qui donne cet esprit-là, c'est ça que je voulais entendre. Et je l'ai entendu. On l'a entendu. Allez, merci, quelle en classe. Ouais, Michel Fugain. Oh, il sue, Nico, là. Assis-toi, essuie-toi, mon vieux, hein.
Mais vous faites aussi le show, vous êtes un showman. Vous aimez le show? Oh là là. Oui. Regardez les images. Oh là là. Remplissage. Une épouse sur la rue qui picore du parure, ça fait mal au mur, ça fait mal au mur. Parce que when you start to believe the belief with a computer, en français on dit le cerveau. Oh, oh, ouais. Oh, 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 ouais. Oh, et quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio. Oh non, non. J'aimerais trouver quelqu'un qui m'aime comme Houssine s'aime lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait ce géo du Club Med. C'est quand même des petits gaz, hein, on va dire. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Voilà, je suis fatigué. On n'est même pas à 40 minutes. Et je rigole parce que quelqu'un vient de péter, quoi. J'adore. Salut. T'as déjà vu le clip de Billie Jean? Oh, le... La transition paix ou signe séducteur. C'est... Oh, le grand écart. On va faire un AVC ce soir. Oh là là. Oh là là. Salut, j'ai des chevaux, je te les mets. Oh, secours, tu me fais mal. Et bah, on passe à autre chose, hein. J'ai peur qu'il leur mette dessus, là. Bah non, il a fait pire. Super, tu veux toucher mon corps? Oh là là. Touche mon corps. Touche-le. Ça s'appelle du harcèlement, ça, monsieur. C'est une caméra, merci beaucoup. Oh là là. C'est le soir, donc nous avons des caméras infrarouges et c'est pour ça que la qualité de l'image est un peu particulière. Merci Nikos. Armand Altaï, mesdames, messieurs, ce soir. Il sait pas comment faire la transition entre le magnéto qui est naze. La suite. Je m'amuse tout le temps, et oui, il donne le meilleur. Enfin, je sais pas, il faut lui demander, mais tu donnes le meilleur? Oui. On va mettre un peu le feu là ce soir, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, bah oui, il est oui, temps. Il est temps, Nikos là. S'il vous attend, vous allez chanter. Oh, Kamel, il l'aime pas. Très... Est-ce que Kamel aime Houssine? Difficile. Non. Vous allez chanter. Avec une jeune femme le feu. Très talentueuse, elle s'appelle Karine Costa. Qui est Karine Costa? Qui est cette personne? Qui c'est? C'est une élève? C'est pas la chanson de la caisse d'épargne Bassi. La version elle est horrible en plus. Oh, qu'est-ce qu'il chante pas très bien. Quel massacre. Et donc ça, c'est le feu. Oui, bah regardez, hein, tout le monde est debout là. Oh là là. C'est clair, quand il s'agit de faire sa grande gueule pour faire rire les gens, l'imitation, tout ça, mais quand il s'agit vraiment du sujet principal de l'émission, c'est-à-dire chanter, il n'y a vraiment plus personne. Hein. Ça me donne envie de fermer mon livret caisse d'épargne. Oh. Nikos. Regardez-le. Quel... Oh. On est tous Maxime le Forestier là. Là, actuellement, on est tous Maxime le Forestier. Hashtag je suis Maxime le Forestier. Ça vous a plu? Non. Non. Vous ouais, aviez chanté avec Daniel Lévy. Absolument. La chanson d'Aladin. Ouais, ce rêve bleu. Et qui est devenu tout de suite double disque d'or. Elle doit être ultra riche. C'est vrai. C'est elle qui a fait ce rêve bleu du coup en fait. En tout cas, elle est dans les petits papiers de Disney, ça c'est sûr. Continue. Après 15 jours au château, des complicités se sont installées. Des copains pour rigoler, des amis pour consoler, voire plus si affinité.
Voici les images. Oh, c'est quoi ce lancement? Oh là là, l'instant, on est tous copains. Mais moi, j'aime tout le monde, hein. Pour oh l'instant, là. Je teste personne. Et plus vite, et plus vite, mieux que... Oh là là. Michel. Eh ben, Georges Alain, il a un caractère assez spécial, mais je commence bien à le cerner et je l'adore. En fait, t'as de belles fesses, mais on voit que ça, là. Serre les fessiers. Tu serres un peu. Ah. Ouais, parce que tu tendres, mais grave. C'est pour toi, hein. C'est quoi ça? Ouh, ils sont amoureux. Ils sont amoureux. A man about the boy. And I know it's stupid. C'est pas possible, ça. To be mad about the boy. C'est gênant quand on sait, en plus. Quel beau. Je m'entends bien. J'aime bien ce triple. Je vous laisse admirer 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je veux dire bien. Oui, bah c'est des gens. C'est une colo, quoi. Il y a des garçons, il y a des filles. Ça se rapproche. Voilà, quoi. C'était nul, voilà, cette donc, séquence. Je voudrais poser une question à Kamel. Kamel Wally, le professeur de danse. Quelle question il va lui poser après ce magnéto? Kamel, est-ce qu'ils sont plus soudés que ceux de l'année dernière à la Star Academy cette année? Alors, j'explique ce que c'est qu'un bœuf. Bon, la plupart des gens le savent, c'est un terme qui vient du jazz. Ça veut dire qu'on improvise des chansons en groupe, mais rien que pour le plaisir. Bon, Armand Daltaï n'est pas toujours d'accord. Il paraît qu'un bœuf, ça fatigue les cordes vocales. Eh bien, ce soir, malgré tout, vous allez passer du bœuf au live. Un exercice de style périlleux. Sans filet. Vous avez raison de les encourager. Oh là là, ça va être gênant ou pas? Ça va être gênant. Elle est désaccordée. Est-ce que ça va être gênant comme Powo ou pas? Ce soir, il s'accorde. Voilà. Au piano, Jérémy. Guitare, Alexandre. Oh la vache. Elle est désaccordée. Ah, Jérémy, c'est incroyable. De l'avant. Ou sinon la batterie c'est trop enjoué pour un truc qui est pas ouf du tout. Avec Benedict Cumberbatch là. On peut avoir le visage. C'est affreux. Hein. Alexia est toujours trop contente. Oh là là, et puis l'autre qui est toujours trop à fond là. C'est pas facile du tout de jouer de la musique et de chanter. Moi je suis la dame qui reste assise là, voilà. Oh bah on se sent bien, de toute façon il y a les copains donc... Philippe lui vraiment, il me fume Philippe parce que c'est vraiment le gars, il est content d'être là, voilà. La semaine dernière, pour ceux qui étaient pas là, il était nominé mais en vrai il disait... Ouais, je suis content, il y a les copains, quoi. Lui, tant qu'il y a les copains, ça va. Mais que qu'on se sent bien, quoi, voilà. Et c'était comment ce soir? Ils sont pas des musiciens professionnels, il faut le dire. C'est vrai que ce soir, ils sont... Et Florence, ce ne sont pas des professionnels, on a vu. Vous avez tout... On lui a dit, c'est d'ailleurs des annotations que la plupart des professeurs lui ont fait. Nikos, il écoute déjà plus, comme d'habitude. Il est très en retrait, il parle peu. On lui a dit, c'est d'ailleurs des annotations que la plupart des professeurs lui ont faites. Oh, la musique. Ah bah il était temps qu'elle soit nommée. Là j'ai l'impression qu'elle s'attendrait un peu trop sur elle-même et... Il saura me faire oublier. Aucun contrôle, il gère pas du tout, c'est compulsif. La chemise elle est... Eva. La semaine dernière déjà elle n'était pas nominée. Grande question du pourquoi. Et là elle fait l'étonner parce qu'elle n'est pas nominée, c'est fou. Surjouer c'est que tu donnes trop. Tu donnes trop de choses. Quand les chemises de Rudy. J'ai l'impression qu'on est. Oh là là, la chemise de Rudy. Il nous Bonsoir. Déçoit. Cette chemise, Rudy, il ne nous déçoit jamais. Rudy. Oh, oh l'effet de la chemise en plus, vous, un peu en flanelle ou en. Christina Marocco, Michel. Christina Marocco. Christina Marocco, ok. Nous sommes de retour en direct sur TF1. Ah putain Tara, la vache. Tu as raison,
Christina Marocco, je crois que c'est bien elle qui a fait le duo avec Marc Lavoine. Alors, je me souviens plus de la chanson ni de l'air. Mais oui, tu as raison. Mais c'est un truc... Mais Tara, t'es incroyable. Tara, c'est un peu l'encyclopédie de cette chaîne. L'autre sera repêché par ses camarades de la Star Academy. Oh, les cheveux de Nikos. Comment ils vont, les trois nominés? On vit plein de bonnes choses. C'est que du bonheur. Et, qu'est-ce qu'il y a fou, là? C'est pas évident. Eva, est-ce que vous l'attendiez, votre nomination, ce soir? Une deuxième binouze. Oui, franchement, je m'y attendais un peu. J'étais assise sur une pierre. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. C'est dur de chanter et danser en même temps. Je ne veux plus jamais laisser faire. Je chante toujours comme Clo-Clo, Anne-Laure. Je n'en peux plus. J'ai dans le cœur cette pensée qui ne m'aime pas. Dieu m'a donné la foi. J'en ai connu des fantômes. Fantômes de l'amour. Mais elle chante hyper mal, Aurélie. Ah, les micros plus gros, s'il vous plaît. Ah ouais, ils sont énormes, les micros. On dirait qu'on leur a mis des pics avec un gros chamallow au bout. C'est pas un micro, en vrai. Elle kiffe. Bazon géré. C'est peut-être pas facile. On les entend respirer. Personne ne chante bien en dansant. Les profs et l'implacable et charmante directrice Alexia Laroche-Joubert ont tout de suite remis les pendules à l'heure. Regardez. Encore ? Encore, ils se sont fait engueuler. Il est quelle heure sous cette montre, s'il vous plaît ? 9h02. Et normalement, le cours commence à quelle heure ? 9h. 9h en cours, alors que t'es littéralement à 50 mètres du cours. Pas, vous ne chantez pas. Pardon, je vois pas la... C'est bien gentil. Est-ce que vous savez que tu vois vous êtes dans, qu'est-ce qui manque, bah, dans ce qu'on appelle une Star Academy, pas dans une école primaire pour débiles mentaux. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, vous êtes dans une Star Academy quand même, c'est pour devenir star, si j'ai compris quelque chose à la chose. Ouais, attends, je me suis pas... C'est quoi, c'est... That escalate quickly ou quoi? Qu'est-ce qui se passait avec Sisto? En plus, on nous montre en même temps les deux là qui se chamaillent. J'ai rien compris. Pas dans une école primaire pour débiles mentaux. Quoi? Attendez, vous êtes dans une Star Academy quand même, c'est pour devenir star. J'ai rien vraiment... J'ai... Quoi? Vous êtes tous dans un sublime bordel. Et je trouve que c'est, voilà, c'est compliqué pour la vie en collectivité. C'est vrai que c'est... Oh, j'avoue que par contre... Vous vivez tous dans un sublime... Oh, le bordel, quoi, regardez. Hein, un peu de rangement, ça vous fera du bien. Oh, le magnéto, putain. Oh, c'est long. Bonjour. Je vous présente donc monsieur Maxime Le Forestier. À la classe. Et ils sont en slope. Ça aurait été incroyable qu'il y en ait un qui soit vraiment en slope. Il vous fait quand même l'honneur de venir ici au château répéter avec vous. Oh, la classe, Maxime, quoi. C'est maintenant Georges Alain et Philippe, les garçons qui vous accompagnent, au chant et à la guitare, et toujours en direct, pour une chanson qu'on aime tous, « Passer ma route ». Attends, il a vraiment pris Philippe son chèque, Maxime, par contre. Hein. Laissez les dents, les cartons. Bah, il chante bien. Les plans, la planète. Bah. Qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas les fleurs. Mais quel flow, filou, là? Qu'est-ce qui se passait? Il était stressé la dernière fois, mais la dernière fois, alors ok, il était nominé, mais là, genre, il est quand même en train de chanter à côté de Maxime Le Forestier, et il est beaucoup moins stressé. Bah, qu'est-ce qui se passe? Réutilisation du canapé de Vivement Dimanche. Oh, la classe, Maxime Le Forestier. Oui, ça, c'est l'humilité. Ça paraît rien, mais moi, j'ai toujours dit que c'est dans les petits détails que se cache le diable. Et regardez ça, voilà. Un grand chanteur qui te remet ton micro en place alors que t'es personne. Et ben voilà, ça c'est la classe. Parole après parole, note après note. Mais l'instru est top là. Mais c'est pas les élèves en fait qui le font. Mais c'est vrai que c'est un joli moment. Parce que c'est un marabout. Ça par contre c'est une super réflexion, Pencas. C'est vrai qu'on se rend compte qu'ils font une chanson qui dure au moins, je pense, 4 minutes. Et on se dit vraiment que, je crois en plus que, je repense à The Voice, je crois que même les prestations, elles durent vraiment moins de 3 minutes, quoi. Efficacité, rapidité, ils écourtent les chansons. C'est ouf de laisser une longue chanson comme ça pour que tout le monde puisse chanter, avoir son moment, son temps. Et même, oui, c'est ça, Claire. En plus, t'as raison, Arthur. Il y a même eu un solo de guitare d'un des musiciens de Maxime Le Forestier. Genre, improbable aujourd'hui d'avoir ce genre de choses.
Et bah c'est fou, nous venons de vivre un moment de musique dans la Star Academy. Et bah si on croyait que ça allait arriver, dis donc, waouh. On a découvert ici sur ce plateau qui vous a même offert une bague de fiançailles. Oh là là. Et Ulrich. Comment ils insistent sur ça. Soyez si complices avec un autre de vos camarades, avec Fabien. Donc pour vous, il n'est question que de tendresse et de réconfort. Vous l'avez dit. Le regard perdu de Emma. Oh là là. Là, Emma. Alors, vous voyez là. Là, Emma, elle fait un regard cam. Elle sent venir la douille. Elle sent venir le moment. La production va appuyer ce qui est des petits moments de complicité avec Fabien, comme s'il y avait plus que des petits moments de complicité. Parce que la production a besoin de ça pour se nourrir, ils ont besoin de ça. Ils veulent créer du clash. Après ce qu'on a vu au moment du premier épisode de son copain qui lui offre une bague. En plus, vous avez entendu Nikos, il parle d'une bague de fiançailles, alors que je rappelle qu'Uric a juste dit c'est juste une bague. Hein. Mais voilà, faut bien insister. Alors attention. Moment, Olivier Ruiz. Mais vos camarades ne l'ont pas vu de la même manière. Ils ne l'ont surtout pas entendu de la même oreille. Retour sur les malheurs de la petite Emma, qui a beaucoup pleuré cette semaine. Ouais. Regardez. Oh, alors, le sifflet. Oh là là. Retour sur les malheurs de la petite Emma, qui a beaucoup pleuré cette semaine. Ouais. Regardez. Oh là là. Oh là là. Ce montage pas cool. T'as vu? C'est bien, hein. Je te présenterai tous mes amis, ils sont super gentils. D'accord, ben je vois ça, oui. Après, j'aime bien Fabien, moi. Comme dans le film avec Tom Cruise. Voilà, le mec. Alors, tu es comme ça. Mais c'est très équivoque ce que tu es en train de faire, tu vois. Alors, tu vois, je prends un peu. C'est vrai, tu peux déconner avec quelqu'un, tu vois comment on déconne. Ça va, mais trop des câlins comme ça et tout, ça se fait pas ça. Il y a un cum qui est derrière satellite qui est en train de se manger la tête là. Si je dis plus rien, c'est que je suis gêné, hein. Oui voilà, gênance puissance 2000, c'est ça. Avril Lavigne et la Emma Domas canadienne. Tu sais pas, t'as un mec, tu le respectes, tu vas pas dans les bras d'un autre mec. Même s'il se passe rien, même si tu sors pas avec lui, tu vas pas dans les bras d'un autre mec. Eva qui se permet de donner son avis alors qu'elle nous a bien dit Prime 1 qu'elle n'a jamais eu de copain. Désolée. Bah ça c'est complètement une différence de mentalité qu'il y a entre nous. Ouais. C'est clair. Ça, de toute façon, oui. Ça, c'est du savoir-vivre pour moi. Je sais pas, c'est du respect. Non. Moi, je veux dire quand même que j'essaye de rester le plus naturel possible. Et puis, Mais tu fais ce que tu veux, Emma, en fait. C'est ta vie, tu es maîtresse de tes propres choix, en fait. Mais c'est vrai que, par contre, ce magnéto est affreux. D'accord, pas de problème. Voilà. Ok, pas de problème. Ça va, vous? Très attentif. Oui. Je suis désolé, ton ami est absent pendant 2 jours. Je viens d'avoir sa mère au téléphone. Il est parti lui aussi. Ouais. C'est Fabien qui... Elle a pas compris. Première chose qu'elle fait, elle tombe dans les bras de Fabien. Très, très malin. Ça a été très mal interprété et les gens n'ont rien compris. Enfin, les gens ici n'ont rien compris. Cette histoire-là, c'est dommage, quoi. Emma, les Olivier Ruiz. C'est fini. J'espère qu'Ulrich va débarquer. Bien sûr qu'on espère, tous ça. Pas comprise par vos camarades, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en fait, c'est vrai que bon, ça peut être interprété comme ça l'a été. Moi, je comprends tout à fait qu'on ne comprenne pas. Et ce que je fais, ben, c'est que Fabien, c'est mon frangin, c'est mon pote. Je l'aime énormément et que ça plaise ou non, ben, ça sera comme ça. Et puis voilà. Fabien zoned. Bon, c'est très bien comme ça. Vous avez un autre petit problème cette semaine. Franchement, vous ça a été. Hein. Seul. Vous avez... J'ai pensé qu'ils allaient faire venir Ulrich. Hein. Très déçu. Du mal à faire. Des illusions pour Fabien. Au fond de vous-même. Ne me quitte pas. Ok, à quoi tu penses? Fabien. Capte chez toi tout ce qu'il y a de plus tendre, tout ce qu'il y a de plus généreux, tout ce qu'il y a de plus accessible. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ok. Où t'en es dans ta tête? Il y a tellement pas de contenu dans ce programme. Napinab qui découvre. D'accord. Mais il y a 300 millions de nœuds. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe là? Viens là. Mais attends, je comprends rien là.
attendez. Du contexte. C'est quoi ce délire? Mais je comprends rien là. C'est normal. C'est normal. Vous êtes tous crevés, vous êtes fatigués. Ils sont tous en descente de MD ou quoi? Mais ils ont fait quoi pour être fatigués? Bah la bringue, on l'a vu, on l'a vu. Mais c'est fou ça, mec. Mais c'est quoi cette séquence? Excusez-moi, mais à partir de quel moment ça a déconné? Je comprends pas. Mais c'est quoi cette séquence? Mais j'ai rien compris. Non mais si vous avez compris vraiment quelque chose aux fameux 300 millions de nœuds, je suis preneur parce que là, je... Oh, ils ont besoin de se reposer surtout. Cette pause sur Jérémy, pardon. Oh là là, d'accord, ok. Ok, d'accord, elle dit que c'est le bordel dans sa tête, quoi. Je précise à nos téléspectateurs qui ne savent pas qu'ils vont chanter, mais ils ont vu le piano, donc ils se lèvent. L'émotion, ça ne se commande pas, mais ça se travaille. Donc j'ai choisi Nazim, Emma et Jérémy. Nazim, Jérémy Emma. Et Emma. Ah oui, pour ne me, ne me quitte pas, d'accord. Vous avez compris le but? Essayez de faire passer l'émotion. Ouais, bah c'est une bonne surprise. Hein. Vous avez compris le but? Bah écoute, j'espère que oui. Me quitte pas, il faut oublier. Oh la vibes, Faudel. Nazim, c'est non. Plus de vibes, c'est possible. Ce moment est fou. Comment il revient? Oh, Emma, elle est pas contente, hein. C'est vrai qu'Emma, la bonne camarade, très contente. Oh, regardez la bonne pose. Et Mathieu Gonnet est absolument pas content d'avoir vu Emma gueuler comme ça en direct. C'est un drapeau confédéré sur sa veste ou je rêve? Non. Tu rigoles? C'est... Si, mais si. Mais what the fuck? C'est quoi ce drapeau, là? Pour un mec qui est menacé d'expulsion, je trouve ça assez... assez couillu, mais... Mais what? Non, mais il sait pas ce qu'il porte, c'est pas possible. Décomplexé de ouf. Mais de ouf! Le mec, il votait Trump avant l'heure, quoi. On sait pourquoi Aurélie n'a pas gagné du coup. La violence! Cette violence! Où tu seras rêve. Plus encore, s'il te plaît. Ah, les yeux révulsés, c'était horrible. Mais c'est long. Leurs cœurs sont brassés. On a des gens qui savent chanter un peu, mais quand même incroyable. Il n'y a aucune émotion qui se dégage de cette performance. C'est fou. On parle d'une chanson à la base puissante, mais on voit à quel point c'est compliqué. Parce que c'est une chanson où il faut vraiment balancer... Je sais pas s'il faut balancer toutes ses tripes ou être hyper sincère, mais il n'y a aucune sincérité là. C'est dingue. À la base, c'est nœud. Je me cacherai là. Comment il chante. Moins de voix, c'est possible. Moitié ASMR. C'est vrai qu'il y a Mathieu Gonnet derrière. Il est parti en roue libre. Je me cacherai là à te regarder danser sourire. Limite on va entendre juste les pommes du micro. Je comprends pourquoi ils pleurent toute la journée. En fait ils sont confrontés à leur niveau et ceux des autres. Et vous signe qui se cure. C'est vrai que cette pause, elle est terrible. En fait, elle a fait tomber et un... Vous savez, c'est elle a fait tomber un gobelet. Maman ! Putain, il y a de l'eau partout ! Pardon. Même le chat n'en peut plus. Mais oui ! Ma petite chatte, elle n'en peut plus, là. Mimolette ! Oh ! Sois mignonne, un petit peu, là. Elle me fatigue. Mimo ! Tu me fatigues, Mims. Je travaille, là. Je te jure, je travaille. Tu veux des croquettes de qualité? Alors tu renverses pas des trucs. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle, elle cherche une connerie à faire. Voilà, regardez. Et hop là. Quand elle s'allonge comme ça devant le Mac, c'est elle qui va host le live vendredi prochain. Vous allez le voir à ma place. C'est une folie. Bon, allez, on repart. Il a écrit des musiques pour Pascal Obispo, Florent Pagny, Hélène Ségara. Parmi nous ce soir, Calogero. Les gens appellent Calogero comme dans un stade de foot. Vous avez entendu? Conférence ce soir. Il a écrit des musiques pour Pascal Obispo, Florent Pagny, Hélène Ségara. Parmi nous ce soir. Mais quoi?
Calogero. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Les danseuses. Calogero, il a le même level que les élèves. Ah, mais j'ai pas vu les danseurs. Pourquoi il y a des danseurs là? T'as faut bien que Kamel case toujours ses danseurs quelque part, quoi. Juste au bord des yeux. Et sans la regarder. C'est vrai qu'ils font de la gym là. Mais quel est le rapport à les danseurs là? Mais c'est quoi le rapport? Après, oui, Nolwenn a clairement chanté mieux que Calogero. C'est fou. Non, mais les danseurs, moi, ça me tue, quoi. C'est le string et les collants. C'est dur, mais c'est aussi ça, les ficelles du métier. Mais faut qu'il arrête, Nikos, avec le string pour les cours de danse. On a compris que ça te faisait marrer, Nikos. Mais c'est aussi ça, les ficelles du métier. Oh, l'autre, il est content parce qu'il fait une vanne string ficelle. Seconde, la pointe vers le sol. C'est sûr et certain qu'ils ont créé ce cours pour avoir des séquences. Pour que Nikos ne cesse de répéter pendant toute la saison, ils mettent des strings, parce que ça fait quand même la troisième fois qu'il le dit, qu'il n'arrête pas de le répéter, pour avoir des mecs qui font de la danse classique, parce que... des mecs qui font de la danse classique, non mais quoi? Ça vous va bien les collants? Je vous en ai commandé une paire en rose. Ouais, bah j'aimerais bien, parce que le... Avec ce sourire là. Regardez, il est content de sa vanne là. Bah oui, c'est ça, en rose, parce que le rose c'est pour les filles. Non mais c'est marrant parce qu'en plus, vous savez, ça m'a fait vraiment bizarre. Parce que comme vous le savez, il y a eu un téléfilm sur Grégory Lemarchal lundi. Et il se trouve que lundi, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis mis sur Quotidien. Et donc Nico s'est invité, donc c'était très bizarre parce que... Et là, ce qui est bizarre, c'est que, waouh, un Nico se vieillit. Et tu sais, maintenant, Nico, il a vraiment la figure du présentateur avec de l'expérience, un peu vieux sage, qui mesure chacun de ses mots, très tranquille, voilà. Et c'était très étrange de le voir, très étrange, maintenant, de le voir comme ça, quoi. Là, il est en roue libre, quoi. Une fille exceptionnelle, elle est belle, elle s'appelle Cristina Marocco. Oh, voilà, chante, ouais. J'ai tout oublié. Voilà. Une fille exceptionnelle, elle est belle, elle s'appelle... Voilà, il rappelle toujours que les filles sont belles, quoi. C'est vraiment... À chaque fois, quoi. À chaque fois. Pas une seule fois. Les talents... Tout à l'heure, Maxime Le Forestier, c'est de la carrière, grand chanteur, grand musicien. Et Cristina Marocco, elle arrive, c'est... Elle est belle. Voilà. Mais à quoi ça sert? Voilà. Pareil. Que moi, je trouve que ça manque un peu d'énergie. Oh la vache. C'est vrai que une certaine lucidité, c'est horrible. Florence, les téléspectateurs vous regardent et ils votent pour vous ce soir. Si vous deviez leur dire quelque chose pour les convaincre. De juger sur ce que vaut une personne, pas seulement ce qu'on montre. Ce qu'on voit. Allez. Voilà, pas sur l'image, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Bonne chance, Florence. Merci. Elle sent venir la douille, Florence. Vous avez vu, hein? Elle est amère, je pense, du magnéto qu'on vient de voir. Chose pour les convaincre. Voilà. Pas sur l'image, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Bonne chance, merci. Florence. Waouh, on voit à quel point elle est amère. À votre tour. Waouh. Ah ouais, là, c'est... Ouais, j'ai de la peine aussi, hein. J'ai de la peine, hein. C'est vrai qu'en vrai, quand il réfléchit, son poids faible, manque de confiance, c'est ça? Son point fort, une certaine lucidité. C'est ouf parce que Rudy, on a dit que son point fort, c'était quand même qu'il était à fond. L'autre, c'est sa joie de vivre. Donc, c'est des choses assez positives quand même, tu vois, au mieux. Mais elle, c'est genre, juste, elle est lucide. C'est même pas positif. Parce qu'en plus, ils ont appuyé sa lucidité sur un moment où elle chantait pas ouf, quoi. Oui, oui, clairement, là, Florence, on veut la faire dégager. Voilà. Oh, attention. Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Oh la vache! De fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des îles vagabondes au creux de ciel bleu. De mirages. Waouh! Ah waouh! Écoutez ça là! Ils arrivent, le ventre alourdi. De fruits les bateaux. La tête de Florence, elle est incroyable.
de mirage. Oh, oh putain, soit. Traînant dans un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. L'autre, elle est trop contente d'être là. Qui n'ait connu toute ma vie que le ciel du nord. Oh la vache. Mais oui, c'est ça qui est fou avec Eva, c'est qu'on voit qu'elle sait qu'elle sait pas chanter. Et ça la fait marrer, en mode, je sais que j'ai rien à faire là, quoi, mais je kiffe parce que c'est trop bien, quoi. Ça, ça va, elle gère. Hein. Elle chante mieux qu'avec Hallyday. Oui, elle est un peu, elle chevrotte. Oui, elle est un peu comme ça. Michel Thor. Ouh, elle est pas contente, Alexia. Tout le monde fait la gueule. Tu sais quand même, Just a Drop, que je fais des best-of sur ma chaîne YouTube. Et forcément, on va voir ton pseudo passer à un moment donné dans la vidéo. Et ça, ça restera sur YouTube. Donc, Donc désolé. Et mais je pense même que là, dans le best-of tout de suite, je vais mettre ton pseudo en très très gros. Vous avez décidé, vous avez choisi. Oh, sur le départ, je dirais Florence. J'ai l'impression que c'est la douille là pour Florence. Nazim, Emma, Fabien et Jérémy, ils vont chanter La groupie du pianiste. Et puis bien faire, à pas rêver seul dans son lit. Non mais Nazim. Nazim, c'est ouf. Avec son drapeau confédéré en plus derrière. À côté d'être seul sur terre, elle y pense dans son lit. Mais Nazim, il est. Nazim, c'est R&B 100%. Elle adore. Elle adore. Ah bah là c'est Alexia, encore je suis contente. En fait Alexia pouvait pas saquer Michel Thor, pour ça qu'elle dansait pas. Il est épuisé Nikos. Pourquoi il est aussi épuisé Nikos? C'est d'avoir traversé le plateau ou qu'est-ce qui se passe? Bravo. Il a porté le piano. Nous le découvrons tout de suite. Jean-Jacques Absalem, on va pas le voir. Encore une fois on va pas le voir. Qui le public a-t-il décidé de sauver? Eh bien, c'est Eva. Putain. Eva a été sauvée par les téléspectateurs. Incompréhensible. Mais c'est sûr. Venez. Elle est là pour ça. Elle est là pour le public. C'est un truc de ouf. Mais clairement, Eva, c'est la Jean-Pascal de la saison 2, mais tellement. Je voulais avant tout remercier... On est tous Nikos à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous avez dans votre petite tête, Rodi, là? Vous pensez à quoi? Stallone. Pour changer, à ma coco. Nikos aussi pense à sa coco, mais pas la même. Donc, quoi qu'il se passe, je suis heureuse d'avoir fait cette expérience ou peut-être de la continuer. Ou voilà. Elle y croit plus, Florence, ça se voit. Elle y croit plus. Il y a eu un casting, Miocine. Quelle règle de merde, toujours. On rappelle que cette règle est horrible. Sauver ce soir entre Florence. Non, pardon. On commence par vous. Qui souhaitez-vous sauver ce soir entre Florence et Rudy? Rudy. Anne-Laure. Florence. Fabien. Rudy. Aurélie. Rudy. Alexandre. Florence. Emma. Rudy. Plus fort, s'il vous plaît. Philippe, quel est le camarade que vous souhaitez sauver? Nazim, la semaine dernière, vous avez été nominé. Vous avez été sauvé par le public. Ce soir, on vous demande de sauver l'un de vos camarades. Désolé, Florence, mais Rudy. C'est difficile, Isabelle. Je sais que c'est difficile. Flo, excuse-moi. Rudy. Bah, choisis. Si ça te fait autant chialer, Isa, choisis Florence, du coup. Jeremiah. Rudy. Jeremiah. Mais qu'est-ce qu'il a à angliciser tous les prénoms? Nolwenn. Florence. Jean-Jalin, vous êtes le dernier à... Florence. Et pour Florence? Oui, de toute façon. Fair play. Bah. Hélas pour Florence. Fair play? Non, il a le droit de voter pour elle. Pourquoi il dit fair play? Non, mais les derniers pourraient au moins voter pour Florence. Tu veux dire, en mode, il a voté pour Florence même s'ils savaient que ça servait à rien. T'imagines s'il avait vraiment envie de voter Florence? En mode, il a pas pitié d'elle, quoi. Juste, il avait vraiment envie de voter pour elle. Hélas pour Florence ce soir. C'est la fin de l'aventure Star Academy. Nikos l'Americano. Allez retrouver vos camarades. Et donc, ensemble. Florence est la deuxième à partir dans cette saison 2. Est-ce qu'elle est toujours lucide d'avoir perdu? L'autre avec Florence. Son drapeau de confédéré. Mais c'est Florence, horrible. C'est vraiment super. Et Rudy, vas-y. Non mais...
Il y a toujours Benalla. Benalla est toujours là par contre. Comment il les tire ? Allez, dégagez. Parce qu'ils vous ont sauvé ce soir. Qu'est-ce que vous allez faire en rentrant ? J'adore. Ils étaient tous très tristes. Ils sont très vite sortis en mode avec les fans, genre ah, merci. Ils ont vite oublié Florence. Talon de puissance 15, talon de puissance 20. Portugal ? Portugal est force ! Mais il lui fait dire des mots-clés. Il lui fait dire des mots-clés. Et voilà ! C'est bon pour ce troisième prime de la saison 2. Quelle soirée nous avons vécue. C'est donc Florence qui est partie aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous sinon vendredi prochain, 18h pour la Star Academy. Quatrième prime. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. De plein de vidéos vont arriver, des contenus machin. Merci tout le monde d'avoir suivi encore une fois ce live. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et surtout restez curieux. Ciao, ciao, ciao.